personnes dans la salle, mal d'être imprévu, j'ai compris que j'ai échoué. Toujours garder en moi la force, remis la rage, sous mes rêves, pas plus sous la rage, et tourner la page. Les désillusions, en désillusion, les déceptions, en déception, j'ai dû rétiner le tir, changer de plan de prévision. J'ai tiré par la veste, mes projets, mes ambitions. Bonjour madame, j'ai deux invitations au nom de Olivier. Olivier B. Oui, mais bien sûr. Voilà. Je... Vous serez bienvenue. Ah, merci. Bon, allez, un grand bonjour pour le seul ministère fréquentable aujourd'hui. Un ministère où il n'y a pas trop de pourris à ma connaissance, le ministère des Affaires Populaires. Voilà, un jour où peut-être j'aurai ma place, pas pour chanter, quoi. Voilà. Donc un grand big up et qui continue. Serré comme ça ? Ouais, c'est par rapport au plateau, c'est bien. C'est quoi ton instrument ? Donc ça remplace en fait la batterie et la basse. C'est quoi ton métier toi, dans le groupe ? Placeur de gens. T'es placeur de gens. Et toi t'es quoi Michel ? Moi, danseur. Ouais. Danseur, montre-nous. C'est ton coup d'épaule ça ? Ouais, fais voir. Le mythique coup d'épaule du danseur. Oh elle est beau. Quel plan magique. Je crois que j'aurais dû être photographe. J'y suis né, j'y ai allé, j'en ai fait tous les recoins. Des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. Y'a Cordonnes, comment il marche ton bazar là ? Fais Abdelkader ou là ? Vas-y, fais-le, vas-y. Ah, tu me fais plaisir. Les résultats viennent de tomber, hein. je suis devant le palais de l'Elysée. Hein. Oui. Alors qui sera élu président, présidente, bon je sais pas... Qui bon, oui, c'est la personne, oui, tout de même, bon, c'est vrai, vous traînez quand même quelques casseroles, hein, des contentieux, des comptes en Suisse, bon, alors, vous croyez-vous que les Français auront pu faire confiance à un escroc-notoire comme vous, hein? J'ai passé mes diplômes et j'ai fait mes classes. Je suis parti des élus et des élites et des rois de la paperasse. J'adapte mon discours à chaque circonstance. La démagogie est un sport que je pratique avec aisance. Bon, pour l'instant, l'équipage et le moral est au beau fixe. Nous allons. Voilà un petit peu la tension, hein, et l'échauffement. Les chansons sont égales, y'a plus de repères, les minots sont du père, le climat est tendu, on se croirait, on est à guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Ah, la tension avant de monter sur scène. Je fais toujours le même geste. Je mets ma bouteille de Volvic à droite. Je m'assois à côté de Barthez à ma gauche. Le Stade de France, ce soir, on vous met, c'est cela.
si un chabert, un courant, un prolo, et alors. Malabalish, while she's gone. But she supported her. You know, I did not support her. Oh. Tango melancólico y la emoción de un violín cíngaro para expresar la amargura y la soledad de un guerrero hastiado por la incertidumbre del mañana. Opresión, incomprensión, dolor dejan una llaga en su voz al transmitir las reflexiones de su pensar leal, digno y libertario. Comme un guerrier qui dépose les armes devant la lassitude, par amertume, dégoût, fatigue ou solitude. Une dernière nuit blanche à griffonner, à raturer, synonyme, assonance, métaphore, tout y est. Exutoire d'un soir, défoulement noir sur blanc, introspection chronique colorée par mon verlan. Laisser l'inspiration se faire envahir par l'émotion, douleur et cicatrice ont nourri mon expression. Traduire mon humeur est devenu viscéral, une envie, un besoin, une gueule drôle lyricale. Logique, contradiction, absurdité, réalité, l'important et sincérité, la pensée de l'instant T. Et comme un condamné à mort qui attend son heure, mon imagination excitée, stimulée par la peur. Si c'était le dernier, rien je ne changerais. Ma plume périra dans l'intimité. Un dernier souffle, un dernier cri, un dernier saut, un dernier saut. Et si c'était le dernier, une dernière rime, un dernier texte, un dernier mot, un dernier mot. Tout au long de ma vie, je me suis pris pour quelqu'un d'autre. Comme une sorte de messie prêt à mourir pour les autres, c'est vrai. J'ai vu tellement d'injustices ici-bas qu'il fallait bien que je me lève, qu'il fallait bien que je me batte avec mes armes. Mon cœur, mon être et mon âme pourraient par ma plume faire renaître la flamme. J'ai crié de toutes mes forces à qui voulait l'entendre. Plus jamais, oh jamais, à leur jeu, je ne me ferai prendre. Je voulais sauver la veuve et l'orphelin, tu parles. Mes paroles se sont envolées, mes écrits sont restés dans des caves. Ma dernière heure sonnant, je suis comme l'oiseau qui doit se poser. Avec tristesse, remords et regret, l'ange de la mort face à moi va m'emporter. Je lui demande d'exaucer une dernière volonté, une dernière danse, un dernier frisson, une ultime chance avant l'ultime ascension. Juste une évasion. Un dernier souffle, un dernier cri, un dernier saut, un dernier saut. Ici, ouais.